Salut la gang! Jour 19 de mon CA. Je viens de quitter Grande-Vallée et je me dirige vers Petite-Vallée, qui est à peu près à 6 ou 7 km, où le CA nous fait passer sur le bord de la mer. Donc, je profite de l'air saline et de voir des beaux oiseaux dans ma creuse du canard noir. Du canard noir que dans le sud, on n'a plus beaucoup, malheureusement. Donc, il est rendu sur la côte nord, puis en Gaspésie. Je devrais faire une couple de kilomètres sur le bord de la mer. J'en profite à marée basse. Et ça, je devrais prendre la route 132 dans à peu près 4 à 5. Là. C'est mes chevilles qui commencent à dire OK, c'est difficile ici. Là. À plus tard, la gang. Je suis arrivé au camping et refuge, pas un refuge, mais un lean-to, des terrasses. Je suis arrivé à 2 heures pile à peu près. C'est une journée de 7 heures de marche, environ 17 km si je ne me trompe pas. Je vais l'indiquer à l'écran si jamais c'est pas ça. Et je vais passer une bonne nuit parce que c'est très frais dehors et non, c'est très beau. Donc ça, c'est mon emplacement. C'est mon petit royaume pour ce soir. Ma tante. Je suis encore seul. C'est fantastique. C'est fantastique, oui et non. Je parle aux arbres, mais je dérange pas personne. Je peux faire ce que je veux, quand je veux. Et voilà, je peux écouter la musique qui me plaît. Alors, on se voit plus tard. Salut, gang. Salut à papa, le père. Comment ça va, le père? Ce petit vidéo est pour toi. C'est une petite anecdote. J'ai pensé... quand on fait la trail, on est des heures à marcher, des heures, des semaines, voire des mois à marcher dans le bois. Fait que on pense tout le temps, bon, qu'est-ce qui nous passe dans la tête? Ben, j'ai ramassé une petite branche de merisier aujourd'hui. Ça me rappelle des souvenirs de toi, papa, qui nous a montré à fabriquer des sifflets avec des branches de merisier. Je crois que c'est à l'époque du camping de la liberté. Où est-ce qu'on avait beaucoup de fun. Je devais pas être vieux, je devais avoir à peu près
7-8 ans, si je me trompe pas, là, mais je me rappelle des beaux souvenirs avec des branches de bremerisier. Puis tu prenais le temps pour nous montrer comment faire les sifflets, comment gosser les sifflets et comment éteindre des feux aussi. Je me rappelle, tu nous disais tout le temps de couper l'air des feux. J'ai des bons souvenirs de toi, maman, puis papa, puis Benoît, puis Anne-Marie aussi. On a eu, c'est ça, des beaux souvenirs au Camping La Liberté.